Quelqu'un peut dire amen? Batoto ne kuba fundi, ça veut dire compliqué. Ni wakati mune batcha comme des électrons libres, vous ne dites rien. Là vous qu'on a le comptable, qu'on a comme la télévision. Mais kuba bien ici, c'est l'église. Parce que si vous commencez avec Dieu, binti otu bita quoi normal. On a un shetani, alors attendez-vous à tout ce que vous voulez là. Pas après, non, on bibi achike, et boit. Non, non, mourir za Dieu. Suivez ce que nous vous disons. Muteka la bien, mutazeka. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Est-ce que vous voulez faire ça? Moi, bien, moi, je vais vous dire, vous n'avez pas de quoi parler. Vous m'avez dit, ben. Nous voulons pénétrer les mondes du surnaturel. Ça ne s'enseigne pas partout. Mais nous avons bien vérité. Est-ce que vous savez pourquoi les gens échouent? Bantu be kon échoué maisha yabo pour plusieurs raisons. La première des choses, je vous ai dit que les mondes invisibles existent. C'est réel. Même si vous n'avez jamais vu, moi je vous informe que ça existe. Ikuako, l'invisible. C'est ainsi que je vous ai parlé. Même la science, la technologie nous apprend ça. Nous sommes en train de voir les choses. L'exemple de la télévision, de la radio, de ceci, de ceci. Ce sont les ondes qu'on reçoit. Les fréquences. Celui-ci peut être dans telle fréquence, l'autre dans telle fréquence. Ça, c'est la science. Mais chez Dieu, c'est plus que ça. Ok? Je vous ai expliqué, je dis, tout ce que l'homme cherche existe. Tout ce que vous avez dans votre tête, là, ça se trouve quelque part. Mais maintenant, lorsque nous entrons dans la profondeur des choses, ce n'est pas que ça... Ça existe, fabriqué, classé, quelque... Non, non. Il y a un verset dans la Bible qui dit, je vais prendre ce verset-là, lecteur, Psaume 33, couplet 9. Psaume. Psaume 33, le 9e couplet, nous lisons la parole de Dieu. Oui. La Bible dit, je suis pur. Je ne pense pas. Je ne crois pas que ça soit ça. La Bible dit, car il dit. Oui. Et la chose arrive. Mm-hmm. Il ordonne et elle existe. Amen. Il amène, il faut que ça soit bien. Car il dit. Car lorsque Dieu dit. Et la chose arrive. La chose vient. Et puis, il ordonne. Lorsqu'il ordonne, et elle existe. Et la chose existe. Est-ce qu'on s'entend, hein? C'est-à-dire, lorsque Dieu dit, lorsque Dieu parle, la chose arrive. C'est ainsi que nous avons dit que vous pouvez appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Même ce matin, quelqu'un m'a appelé de quelque part. Un ancien papa. Il m'enseignement ni tout à foigner Dieu pour que bantu ba ishiki mais autant mon kanise tu bantu ko distrait. Je ne sais pas si réellement mourir toi pour réussir dans la vie, ça je me demande. Vous êtes habitué à des choses terre à terre, ba kwembe ba kweke mukono ba seme, ce sont des bêtises. L'homme c'est une machine à partir de votre tête. Quelqu'un peut dire amen. La machine, ça, votre intellect, votre mental, c'est une machine qui travaille 24 sur 24. Comme c'est comme toute machine qui fonctionne, vous devez l'entretenir. Votre mental ne se fatigue pas. Ça peut se fatiguer lorsque vous l'utilisez mal. Votre mental ne se stoppe jamais. Comme on a là, le mental de... Que nous, le qui entre dans votre être intérieur, donc vous êtes en train de rêver de faire ceci. On a l'autre, on a fanyaviti jusqu'au matin. On a la mouka. Je vous ai dit que votre pensée ramasse tout. Vous connaissez cet enseignement? Ça travaille 24 sur 24. Mais vous ne pouvez pas tout consommer. Mais ça ramasse tout.
On a un coup qui a comme un centre dans la tête. On a une année, on a bantu la chamboulane. Mais maintenant, il faut avoir un tamis dans la tête. Qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Comme c'est une machine qui fonctionne, il faut l'entretenir. Ukeyacha itabamba nkutu, ukeyacha itatumika mubaya, ukeyacha itakuwa mbruye. Votre mental, ndio ennemi wa kwa kwanza. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque quelqu'un ne comprend rien, j'aime les gens qui suivent les enseignements. La Bible dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors si quelqu'un en a peine d'ailleurs, vous avez quelle intelligence? C'est où le konon a d'abord son intelligence, sa pensée, n'est même pas qu'on voit à Kukusaidi. Parce que lui-même s'embrouille encore. Vous êtes responsable de votre vie. L'homme, je ne sais pas, quelque part, est-ce que ces gens comprennent vraiment bien ce qu'on a fondé? On a fondé chaban tout dit, banabaki a pas kaba pauvre. Malari na ya boule boule qu'on a kubamba. Bintiot, vous êtes embrouillé. Mais lorsqu'on veut maintenant vous mettre mon façon, là où Jésus avait dit que tout est possible à celui qui même la maladie, vous avez le droit de chasser la maladie. Ouais, moya. Nous sommes là pour vous aider. Quelqu'un peut dire amen? Alors, lorsque je vois que les gens ne comprennent pas, il y a des moments que je me fatigue. Je dis, c'est comme maintenant. Je vous avais dit, Minasema. Malgré ça, les autres n'ont pas compris la leçon. Mina quoi un peu rare. Je viens deux semaines, mina toka une semaine. Ça, il ne faut pas oublier. Quand je viens, profitez-en. Comment les gens qui sont sur les YouTube, tout ça, en profitent? Mais où qu'on a mis vie terre à terre, où qu'on modèle Kani, où les embêles Mouenzak, qui tu as qu'on a fonctionné, Dieu? Pourquoi ça ne marche pas chez toi? Pourquoi? Mais pourquoi qu'on a bengine qu'on a marché? Je vous ai dit que la fille qui était venue me voir, comme on a bamba mouille, il y a un son qui sort. J'ai prié pour elle. Mina bamba mouille, a écouté éteint. Nous avons le pouvoir de changer même la décision du diable. Quelqu'un peut dire amen. Le problème, il faut seulement nous faire confiance. Quand on garde un esprit faible, prophétiser, c'est que Barisha Koukouloka. Ou comme on y a Koukouloka, tu n'es pas différent des fous. Parce que ce que je te donne, c'est plus que ça. Tu dois être responsable de ta vie. Ta vie dépend de toi. Il y a des gens qui partent voir les médecins. Vous arrivez chez les médecins. Baba Mung, moi je vous ai dit, moi un médecin ne peut pas m'injecter là où les médecins sont ici. Je ne peux pas. Explique-moi, c'est mon corps. Est-ce qu'on s'entend? Il y a des gens qui sont morts comme ça et qu'on a diabète. Mungang est pressé comme avec Chambola, na Bibia, comme Ninine, ou bien na Buanaque. On a quoi là la parle? On a bébé qui pompe y a sucre. Ouyou. Donc il ne te pose même pas la question. Ouais, ça qu'on y a encore pas là. On a coupé encore deux minutes après. Mouton a dit qu'on a coupé. Mais comment on a ta faute pour couper tout le monde? Eh bab, mimi ne calaka na diabète. À Chambola, ni qui pompe pas, ni qu'on a ta faute à Kunito. Explique-moi. Ni à Nini. Non, on a quoi? On a tiens à la mouillac. Ce n'est pas le médecin qui est malade, c'est toi qui es malade. Toi, tu crois qu'après t'avoir soigné, à tabakiana, pas comme qui tu connais quoi, Zawai? Mungina, yeye, ni kazi. Mais toi, prends soin de ton corps. Est-ce qu'on s'entend bien? Même dans les choses de Dieu, il y a quelqu'un qui passe là. Trop peu ont les soucis comme je l'ai de vous enseigner. Mungina n'a quoi? C'est là, t'as dit, mais là, ton frère. Il voit ça comme une affaire, ni business. On a mon panneau avec au prochain endroit qu'on nous a loutu kuyak. Mais moi, je veux que vous puissiez exceller dans votre vie. Ça m'amène. Na peine d'amener chaque fois ni
Soyez comme Jésus avait dit, tout est possible à celui qui croit. Rien ne vous sera impossible. Vivez ça. Ce n'est pas une chanson. Alors je vous disais que pour pénétrer le surnaturel, entrer dans le monde de l'invisible, là où il y a tout, tout existe lorsqu'on l'appelle. Et puis je vous avais donné un verset de Jérémie. La Bible dit que, qu'est-ce que Dieu dit? Je mets mes paroles dans ta bouche. Est-ce que vous connaissez ce chapitre? C'est quel chapitre? Moi, je suis la Bible, où je suis somme. Je suis un peu plus de temps. Combien? Un neuf en jonin. Ok, nous allons lire. Nous prenons Jérémie chapitre 1. Le verset 9. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Oui. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Or, nous venons d'entendre là, il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Il prend les mêmes paroles, il met dans ta bouche. C'est pas fini, continue. Regarde, j'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu peux arracher. Tu peux abattre, continue. Pour que tu ruines. Tu peux ruiner les choses. Et que tu détruises. Tu peux détruire avec la parole. Pour que tu bâtisses. Ah, tu peux ruiner, tu peux abattre, tu peux détruire. Et tu peux encore bâtir. Toujours avec la parole. Et que tu plantes. On a besoin de planter encore. Continue. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Voilà. Alors là, vous comprenez que la parole de Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux avec la parole. Et Jésus avait dit que ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire et faire même de plus grandes choses. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Vous savez, dans les jours qui vont venir, 8h inéné minafunga milango. Comme ça ne vous intéresse pas, je vais enseigner à ceux qui sont intéressés. Oui, Rudi, oui, de Makadi, oui, de Kawom. Ou bien, oui, de Mukimbang, ou bien, oui, de Wat. Pas nous, on a monté, on a quoi, never, on a quoi, d'abord, pas la Nashimama. Non, rentrez alors, Rudi. Si tu ne sais pas que ce que j'enseigne, c'est pour ta vie. Ça m'amène. Le lendemain, oh, bah, l'autre jour, on a une vigne. Non, 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 c'est une distraction. 7h30, tout le monde est là. Parce que moi, je suis pressé pour t'enseigner. Parce que je sais que après un moment, comme Minafika, soyez là, même à 6h. Je vous donne ce que j'ai, on est capté. Quelqu'un peut dire amen. Ma dimanche, 8h juste, na funga barrière. Attends, moi, comment tu 5 ta fonction va les 5 jours, on a la fondation. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Ou la chikiye, ou la biona se biona la zima, ça ne sert à rien. On ne peut pas prendre ma perle, bien tu as la zima, kouéka koumikoulu yaba nguru et djouba te biare. Ah bah, yu valeur et abou. Ces enseignements, si je les donne ailleurs, pas ouè kouingye ni 100 dollars ou konarip. Kouingye koufate bilin ou fondish. Ouè bako nan koupoboulou, ou non na sama bina la zima. Tu ne sais pas comment Dieu m'a fait cette révélation. Qu'est-ce que j'ai fait que Mungu a ni fondu chez ni kwambie bine kono kwambie? Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Alors voilà, à ce moment-là, wakati la parole est en toi. Yesu anasema mutafanya hivi. Jésus a chassé les démons comme je vous avais dit.
Jésus a créé. Il a fait avec la parole. Et on nous dit que la parole était au commencement. N'est-ce pas, hein? Au commencement était la parole était avec Dieu. Vous connaissez le chapitre et le livre, c'est Jean chapitre 1 verset 1. Et on nous dit que cette parole, rien de tout ce qui existe n'a été créé sans la parole. Tout a été créé par elle. C'est la parole qui a créé tout ça. Ça vient par la parole. Ça dit encore quoi? Que si vous voulez, même si la chose existe, comme c'est la parole qu'il avait appelée, la parole a toujours de l'influence. Tout ce qui existe. Enlevez les enseignements qu'on vous a donnés. Je suis théologien de formation. Et la théologie, il y a les gens qui disent que non, kukobintu immatériel, impersonnel, abiweze kushikia. Ni théologie à Saman. La théologie du surnaturel dit que atamai inashikiak. Est-ce qu'on s'entend très bien? Tout ce qui existe. Parce que pour exister, il a fallu la parole. Shinjoville. Kwakyo kuku yako, atakama ni malari. Même si c'est le diable, même si c'est l'argent, pas qu'il faut exister, ça a été appelé par la parole. Mais maintenant, comment aïta shikia tena parole? Aïta shikia, il est shikia que Dieu kumwanzo. Est-ce qu'on s'entend très bien? À moins que si vous ne croyez pas à la parole de Dieu. La Bible nous dit que c'est par la foi que nous connaissons que tout ce qui existe a été appelé par la parole. En sorte que ce que nous voyons ne vient pas de ce qui est visible, mais ça vient de ce qui est invisible. C'est ça, c'est en Hébreux chapitre 11, premier verset jusqu'au troisième, vous allez lire ça. Ça n'est pas important. Alors maintenant, lorsque nous avançons, si la parole, cette parole-là, ce n'est pas la parole passive, comme je vous ai dit. Ce n'est pas cette parole, les mots. Non, ce ne sont pas les phrases. Cette parole, elle est en vous. C'est une puissance, c'est une dynamique. Parce que nous avons dit que en Apocalypse, Jésus même, le Fils de Dieu, on l'appelle parole de qui? De Dieu. Donc la parole est personnifiée. La parole est qu'on a dedans là, il y a une force, une puissance pour faire tout ce qu'on vient de dire ici. Donc la parole, la Bible dit, il envoya sa parole et la parole les guérit. Là, je vous ai dit, ça c'est un moyen pour pénétrer le surnaturel. Je vais enseigner parce que je sens moi que si Dieu veut, la semaine prochaine, je peux organiser un petit séminaire pour entrer en profondeur. Quand il y a une semaine, pas comme parole, ça va prendre même une semaine. Mais je vous donne des grandes lignes, n'est-ce pas, hein? Et je vous ai dit, ça c'est pour entrer dans le monde du surnaturel. Pour que dans ta pensée, tu peux l'appeler, ça peut venir. Je n'exagère pas. De deux, mais pour entrer en contact avec le surnaturel, avec Dieu, avec le monde de l'invisible, il faut être dans l'état. Il y a un miracle. État, il est qu'on peut permettre mon âme et mon. Ça veut dire c'est la prière ou le jeûne ou la concentration. Qu'on appelle autrement la méditation. Mobile bitu, si tu es dans l'état de prière, si tu es dans l'état de jeûne, tu vas parler avec Dieu. Si tu es dans une concentration, c'est toujours une prière, une méditation de la parole de Dieu, esprit a koiko ouvert. C'est ainsi que nous avons dit, même si ton esprit n'est pas ouvert, Daniel, il était là, on nous dit que l'ange est descendu lui dire, depuis que tu as commencé à prier, dès que tu as eu cette pensée de prier, Dieu m'a envoyé pour ouvrir ton intelligence. Dieu, comme avec Fungu l'intelligence, je viens de dire que votre tête, votre mental, ramasse tout. C'est une machine. Il n'y a personne qui peut stopper ça. C'est ainsi que même lorsque je suis en train de parler ici, si tu es vraiment connecté à moi, c'est que Nami Nawe tout comme son bruit. Oui, papa, pas l'ensemble. Ton esprit est lié à mon esprit et ton mental est lié à moi. Si tu te déconnectes à ta panique, tu peux te déconnecter directement.
kapa tu nekala. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pas kapa tu ko ko déjà kasumbales. Mais nous nous te voyons ici. Akiri yako iko déjà Mozambique. Iko déjà ku Bulaya, ku lurecha marchandise yako. Iko déjà ku Chine, iko déjà ku Japon, iko déjà ku Dubai. Ah, ile marchandise nafikisha na jana ikui. Mais nous nous te voyons ici. Maintenant, il faut discipliner votre mental là-bas. C'est là où nous disons que maîtrise des émotions. Si vous n'arrivez pas à faire ça, les miracles, ils combattent na way. Ou ta vivre bien les biotes, ma bricolage, ma bongo. Parce que maintenant, il est bien que tu sais comme les matières, on a comme les bitcoins. On invente même des miracles. Esprit a quoi battu? Il voit quelqu'un là-bas couya. Ou ta quoi couler? Ufanye hivi useme uko na kilema pale mitawaomba useme na pone. Comme ça bantu atakuwa ba mingi balete franc. Des aventuriers. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas enseigné. Si vous êtes bien enseigné, vous-même vous allez vivre votre miracle. Et ça sera un miracle original. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Si on vient pendant que manipuler dans ma témoignage ya bongo, le bitukani et bengina bo baningia monde de ténèbres. Shetan est qu'on va communiquer. Donc vous êtes, on a quoi, manipulable. Donc, vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Vous ne pouvez pas. Toutes les églises vont travailler la bataille, mais je me demande, même vous qui me suivez, c'est pas. Soyez accro. Accrochez-vous à ce que j'enseigne. Votre vie changera. Quelqu'un peut dire amen. L'état de la concentration, c'est ce que je viens de dire. Méditation. Je vous ai donné l'exemple. On peut lire ça avant d'évoluer. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas dans la semaine. Je suis obligé, je suis un enseignant. Je suis obligé de revenir du Mushiki. Prenez Daniel. Chapitre 2. Verset 13. Daniel chapitre 2, le verset 13, nous lisons la parole de Dieu. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort le sage de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Arrête. Ici, Daniel ne tâtonne pas. Vous connaissez bien l'histoire. Ce roi était un roi, je ne sais pas comment. Il avait des rigueurs, il était compliqué. Jusqu'au point où les sages, les charlatans lui ont dit non. Roi, ce que tu poses comme question là, est-ce que sur cette terre quelqu'un peut répondre à ça? Parce qu'il disait quoi? J'ai rêvé, j'ai oublié ce que j'ai rêvé. Est-ce qu'il y a moyen de me dire, d'abord me relater le rêve et ensuite me donner l'explication? Dis donc, sur cette terre personne ne peut faire ça. Au moins des dieux qui ne sont pas, qui n'habitent pas la terre, c'est-à-dire qui sont dans le monde du surnaturel. Et savait ça. Alors il a dit, bon, comme vous ne savez pas interpréter, allez, mettez-les à mort. Tuez tout le monde là, ce sont des aventuriers. On a commencé à tuer. Arjok, qui était le commandant du chef, son général, il dit, on a commencé à chercher aussi Daniel et son équipe, parce qu'ils étaient classés parmi les sages. Lorsqu'il est arrivé chez Daniel, Daniel en a moins bab. Ni nini Arjok a m'expliqué mambo iko hivi. Roi rilota kisha na sabu. Mais anabakia roi iko agité. Il dit non, je demande aux sages, aux charlatans, aux magiciens, tous ces gens qui croient que bana pénétrer que le monde de l'invisible. Bani ambie ça ça ni rilota nini na bani patie c'est quoi encore? Ufanu hein? Tafsiri, bah tafsiri yo, bah niambie, voilà ce que tu as rêvé, c'est ça, la signification, c'est ça.
Daniel n'a pas paniqué comme les autres. Il dit, je vais voir le roi. Il est allé voir le roi. Il a dit au roi, Bab, donnez-moi un temps. Je viens vous donner l'explication. Ça, il a pris le risque. Parce qu'il savait que j'ai un Dieu qui n'échouera jamais. Je ne sais pas si nous nous comportons de cette façon-là. Devant une situation compliquée, nous tous nous commençons à nous agiter. Mais Daniel, il était calme. Il connaissait bien son Dieu. Il dit, non roi, calme-toi. Donne-moi seulement un temps. Je vais entrer en prière. Je vais consulter Dieu. Il va me donner le secret. Parce que rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Même ton jour de naissance, Dieu connaît. Même les jours de ta mort, Dieu connaît. Même les jours de ta bénédiction, Dieu connaît. Il est le maître des temps et le maître des circonstances. Mais maintenant, il faut entrer en contact avec lui. Daniel a dit, c'est ainsi que je vous ai dit, que pour pénétrer le surnaturel, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la concentration et la méditation. Dieu ne peut pas te parler aussi que tu es embrouillé. Agité, mambo mukito, muna chambulana. Kawaii, ninge kupika mubaya sana. Ce sont les mamans qui font leur prière comme ça. On a pas na juu niko kumbele ya Mungu. Ah. Kumbele ya Mungu muna chambula, ka kichwa toka pale. Unaacha niombe maombi. Oh, wewe Mungu. Ah. Je ne crois pas cela. Ile ni bujanja tu. Tunaenda kumulima kufika kule kumulima njoo kule wanatembea busharati. Kule kumulima njoo kule wanachambulana. Mais ni pas comme Akili. Mais c'est quoi ça? C'est quel genre de gens? Daniel a dit, donne-moi le temps, continue. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Oui. Et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Oui. Les engagea à implorer les la miséricorde. Les engagea à prier. La miséricorde du Dieu de cieux. Enfin, qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste de sages de Babylone. Va au verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Dieu révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. C'est le Dieu que je t'enseigne ce matin. C'est le Dieu que je te parle. Il connaît tout. Même ce que toi tu ne vois pas, mon Dieu connaît ça. Même s'il y a les gens qui sont assis pour comploter contre toi, Dieu les voit. Même ce qui est dans les ténèbres, Dieu sait ça. Si quelqu'un a volé ton argent dans le monde des ténèbres, Dieu sait là où l'argent est classé. Il peut récupérer et te donner sans problème. Continue. Et la lumière demeure avec lui. Il a la lumière en lui. Dieu de mes pères. Écoute. Je te glorifie. Non. Lorsque la lumière arrive, les ténèbres font quoi? Disparaissent. Aïe, Navin. Lis le verset 28. Le verset 28, la Bible dit. Ça, c'est Daniel qui parle. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle le secret. Il y a dans le ciel un Dieu qui révèle le secret. Pourquoi il t'a foutu un secret quoi, Nani? Koko Mungu, il existe. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez, moi, parfois, ça m'étonne. Je ne vais pas entrer dans des polémiques des églises. Pourquoi l'église est une église qui est malaïque, là-bas, saint. Pendant que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Mais pourquoi vous cherchez un intermédiaire? Pourquoi vous êtes comme maman Marie ou Nisemei? Saint-Pierre ou Nisemei? La porte est ouverte, mais tu passes par là pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas aller tout droit? C'est celui qui doit donner la solution. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Au ciel, là, il y a un Dieu qui révèle le secret. Mais va tout droit. Recommence ce verset et descend. Mais il y a un Dieu. Mais il y a Dieu dans le ciel qui révèle le secret. Oui. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite de temps. Voici ton songe. Voici ton songe que tu as oublié.
et la vision que tu as eue sur ta couche. Quand tu étais endormi, là, voilà, je vais t'expliquer ce que tu as vu tout. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté de pensée. Ça va. Ça, on explique maintenant. Tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. Va maintenant au verset 46. 46. Après avoir expliqué tout, il a dit ce que tu as vu, ça signifie ces jambes de fer là, ces pieds là, ces parties de fer, ainsi de suite. Ça explique, il a tout expliqué. Dieu lui a donné toute la révélation. Au verset 46, le roi maintenant réagit. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur face. Il tomba sur un roi. Il se prosterne devant Daniel. Oise. Et se prosterna devant Daniel. Ouais. Et il ordonna qu'on lui offre de sacrifices et de parfums. Ce qu'il y a. Mais pour qu'un élevé, un roi, quelqu'un qui est élevé en dignité, à toi, Magoti Mbele Yako, on n'a pas choisi de prouver qu'il est qui n'est. Est-ce qu'on s'entend, hein? Ce n'est pas avec les mensonges. Le roi Anaou Aban, tu sais qu'il c'est un roi dangereux. Il a dit, tuez-moi tous les sages, même ceux qui étaient avec lui, qui lui disaient, roi, où abote? Arrivé au niveau de Daniel, Daniel Semouniach, donnez-moi un temps. Lorsque Daniel a donné la révélation, les rois là qui étaient méchants, les rois sévères, Anatouanga Magoti, c'est le contraire. Quelqu'un qui tuait mais qui se met à genoux, il diminue. Anatouanga Magoti devant Daniel, il se prosterne, il adore. Si vous ne faites pas les choses autrement, vous ne pouvez pas vivre ça. Vous devez être différent des gens de ce monde. Votre manière de parler, votre manière d'agir, montrez aux gens que vous avez un Dieu grand, un Dieu qui change les choses. Pas un bricolage. La plupart de nos politiciens n'acceptent plus Dieu à cause de faux pasteurs. Ma faux témoignage, ma fausse prophétie, ma vision à bongo, il n'a pas rendre maintenant insensible. Même si vous venez à toi, quand on va passer, quelqu'un m'avait dit que c'est vrai ou c'est pas vrai, je ne sais pas. Que le président Joseph Kabila, avant de faire leur passation de pouvoir avec l'actuel président Félix Antoine, ça c'est quelqu'un qui m'avait dit. Il dit à Félix, il dit, que Bahang, fais très attention, Nabantu Bawiri. Ba professeur à l'université, na ba pasteur. Kalamuka na ba le bantu. C'est pas ba professeur mfanyaka nini misiju. Na ba pasteur mfanyaka nini misiju. Ana mbeste ma tension na ile bantu ba wiri. Ba professeur na ba pasteur kalamuka na. Parce que les pasteurs sont capables de tout. Bongo, biote bibaya. Ma fausse prophétie. Alors il dit non, attention avec ces deux catégories là. Parce que ce sont les gens qui prétendent tout connaître mais qui sont dans le flou. C'est quelqu'un qui m'avait dit, je ne confirme pas. Alors là nous disons, comment est-ce que le roi a twangé Magoti devant Muntu? Il y a un job à Moutouangé à Magoti. Aïko ville. Roi n'a pas soldat par la niveau qu'on a monté. Mais yeye, anashuka na twanga magoti devant Daniel. Anasema mupatie les dons. Continue. Le roi adressa la parole à Daniel et dit. Il dit quoi? En vérité, votre Dieu est le Dieu de Dieu. En vérité, tu as un Dieu de Dieu. Mungu aba mungu bote, c'est ça ton Dieu à toi. Dites, Mungu Aba Mungu Bote, c'est le Dieu que moi j'adore. Le Dieu des sorciers, c'est celui-là que tu adores. Le Dieu des féticheurs, il est au-dessus des féticheurs. Le Dieu de tous ces gens, le Dieu de toute la pensée, le Dieu de toute la terre, c'est celui que tu adores, toi. Lui, s'il ouvre, personne ne peut fermer. S'il te bénit, personne ne peut te maudire. S'il t'élève, personne ne peut t'abaisser encore. Voilà le Dieu qui est... Ça, c'est sorti dans la bouche d'un roi païen.
Il dit, mais maintenant je suis convaincu que ton Dieu à toi, c'est le Dieu des dieux. Il est le roi de tous les rois. Continue avec la lecture. Et le Seigneur de rois. Ah, il est le Seigneur de rois. Et il révèle le secret. Alléluia. Puisque tu as pu découvrir ce secret. Ah, tu as découvert le secret. Donc tu as un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, qui sait révéler le secret. Bah, magicien, bah, les chinois. Continue. Ensuite, le roi éleva Daniel. Il éleva. Et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Waza. Achambel, il y a les gens, lorsque je dis que moi, Batoto Yamungu, prenez des postes, je ne changerai pas ça. Je lis la Bible, non? Je suis dans la Bible. Le roi dit à Daniel, c'est ma kwanza leo, mina kupa commandement à Babylone yot. Parce que anayua sema wuyu ni muntu honnête. C'est quelqu'un qui craint Dieu, il a l'amour du prochain. Akapita pale bintu bitafanya nini? Bitatembe. Moi mon ekala moko na pikia bapagano mikono. Vous êtes maudit. Muntu anakuwa na kanani anakupatia, baba mita muvote, utamuvote, unaye les conséquences. Voter mutoto wa Mungu. Même si les politiciens, si tu n'as sema hivi, atuna na mambo na ba politiciens. Atuna na mambo na kabila. Atuna na mambo na église. Tuko na mambo na ba pagano. Est-ce qu'on s'entend très bien là-bas? On n'a rien à voir avec des politiciens. Si c'est un politicien chrétien, qu'il soit de n'importe quel parti politique, nous allons voter pour lui. Est-ce qu'on s'entend très bien? A tout le monde dans ma partie. Non, non. Le problème est que mon pagano a chita wa l'éten. Est-ce qu'on s'entend très bien? Bengi ne va pas nous dire que mon mambo ya boule boule. Non. Moi, j'ai dit ce que Dieu m'a dit. Mon wana sema, c'est le temps ya batote ya mungu fa nini kutawa. Le jour que Daniel a donné la révélation, le roi lui dit, ouais, il m'a coupé commandement à Babylone et autres. Il était serviteur de Dieu. Il n'y a pas. Non, moitié politique ou politicien. Non, non. Si tu ne t'entres pas dans la politique va s'occuper de toi. Ma carte d'électeur, ben, tu vas dire, Dieu a nini. Si Dieu ne te vote, ça, tu t'as voté pas que vivre la couaza. Tu n'as pas dit, Dieu a dit qu'on a voté utile. Je vote pour. Dieu a mis la mambo ya makabila aina mambo ya Mungu. Makabila, ma parti politique, ça nous concerne pas. Ce n'est pas ça notre lutte. Lutte yetu ni mupagano, un païen, mubichi paka hivi, we umupatie tie waanze kudiriger. Faut être malade. C'est pas si comme tu connais kizana mzuri. Na pasha mtu yuko na boka ya Mungu na mtu anapenda population yake. Anapenda bantu. Franga yuko mgini mutro. Je vous ai dit, je vais arriver là. Pourquoi? Ils ne savent même pas qu'on doit traiter l'alliance avec la terre. Ah bah youé. Bapagano vana toka kouende, vana toka vana kwa bende d'arachir. Parce que Boulonga est mythique. Je ne sais pas si vous le savez. Je vais vous donner des versets. Alors maintenant, il dit qu'on prend. Continue, tu vas comprendre. Ensuite. 49. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province. Arrête. De Babylone. Ça, il y a Daniel Barisha Kumuleta, Banamoué Kayoul. Anamouambia, roi, tu as bien fait, mais pour que les choses marchent, prends l'intendance, gestion, yot, y'a franga, y'a nini, y'a nini. Donne à qui? À Shadrach, Meshach, à Meshach et à Abednego. Bah, les becs, on n'a pas mungu, va partir, va gérer bilébite. Il avait péché quand l'ambalamba dit non, l'ambalamba pêche. Oula na sema pani l'ambalamba. Il dit au roi, achana na baba pagano. Prends l'intendance, mali, gestion, pati ya Meshach. Pati ya huyu, pati ya bale batu yako nongopa nani? Mungu. Njo mukini tanyoloka.
Je répète. Mupagano kama anapenda tumuvote, il est temps à mini de gens. Akwe mwake kanisa, ataka maningia n'importe quelle confession religieuse. Tout en mouvote. Mais kama anabakia tu mupagano atuyue, baba yako akiro ni nani? Chia tout en mouvote. Tu peux te fâcher, tu peux dire tout ce que tu dis. Nous, on ne va pas voter pour un païen. Isa ni ya mugini dirigeant na batoto ya nani ya mu. Yi mugini ina bantu 3 4 5. Tout le monde doit bien vivre. Uta vivre je pendant que franga iko ninge mikono ya mtu mwingine anaenda kuyanga nani. Ana no ana tana buluma ya mtu. Foku kwe bantu biko na boka na buluma ya nani ya bantu. Akwe wa kabila kani, akwe wa parti kani, akwe wa eglise kani. Mekwa akwe mtu yako naogopa nani? Mungu. Daniel anamwambia roi sema, mie unaniweka commandant wa Babylone, mais il m'a poste patia fulani, patia fulani. Bale batu yego naogopa nani? Mungu. C'est une page tournée. Alors maintenant, parce que là c'était en prière, et je vous ai dit que pour voir des visions, il n'a pas choix. Donc vous devez être un mwetaya jeune. Djoum jeune, ou qu'on a concentration au maximum. Natana ou qu'on a méditation. Djoum le Yesu mbela kwanza kazi. On dit l'esprit l'a pris, il l'a amené dans le désert pour aller jeûner. Pendant combien de temps? 40 jours. Ou t'as pas tangou vous dire maombi a wombaki. Ou na la la. Bible a ou somake. Tu n'as pas de concentration. Tu ne pries jamais. Tu n'as pas. Donc mungu atasumuza na weje. La prière ce n'est pas que toi non, j'ai dit la concentration et la méditation. Ou ne kala. Ou qu'on a fungu la Bible, Dieu t'oriente, tu parles avec Dieu. Bushingi je t'accompagne nini. Ça moi on est kala, on a somma, on a omba mungu, vous comprenez qu'est-ce que Dieu vous dit. Dieu va vous orienter. Ataka fungu la kid. Ou vous êtes en jeûne, mungu atafungu la macho. Daniel 10. Souffrez aujourd'hui, Shinana Saming. Tout ce que je vous donne ici, c'est l'introduction seulement. Chia ingia mon matière. Pas le mitenga matière, qui tu as il est à koufanya. 10, verset 2. Daniel 10, le verset 2, nous lisons la parole de Dieu. En ces temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Ariquoi moukirio, mou prière, mou jeûne. Continue. Je n'ai mangé aucun mets de lika. Et n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Vraiment. Et je ne noignis point jusqu'à ce que le 3 semaines soit accompli. Je vous ai dit que ça s'appelle abnégation. Bitu bingi nuna chabio. Fura una chambele pour un temps. Kuria kunywa ma café ma chai nini, kuria ma omelette ma bifetek bitu kani. Masiku yuno nasema shita kuria tabi kwa munyumba. Je cherche la face de qui? De Dieu. Pengine nakunywa tu chai bule. Mungu atakuonekani. Ça, c'est une église de prière. Tu dois être une femme de prière, un homme de prière. C'est parce que ni moule mou prière, ni au mungu atatok, ni au moule mungu atakusa. Mais attention, comment? Quelqu'un peut dire amen. Continue. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Édith Dekel. Toujours dans l'état de jeûne. J'ai levé les yeux, je regardais. Il regardait. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Ananja kona sasa maono. Et dans quel état? De jeûne et prier. Oui, il y avait un homme vêtu de lin. Et ayant sur le rein une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de frisolis. Ça va, vous avez compris. Anaona sasa maono, mais mon état de prière, état de concentration. Comme je venais de vous dire que esprit yamuntu, votre pensée, ni pensée iko na ramasse tout. Kyote utona kiko ningia omu. C'est une machine qu'on ne peut pas stopper, votre mental. Mais ce qu'il faut faire, il faut qu'y orienter. Quand vous y orientez, il t'accocote à n'importe quoi. Votre ennemi, c'est votre pensée. Même lorsque nous disons que nous devons prier maintenant, la plupart des gens vont prier sur base de ce qui est dans la tête. Or, votre mental,
votre pensée, qu'est-ce que ça fait? La pensée, notre mental, utilise le temps pour nous détruire. C'est ma, utilise le temps pour nous détruire. Posez-moi encore la question, comment ça? Que je vous explique. Maintenant, votre mental, bumuntu yako, akiri ya bumuntu. Tuko hapa, tuko naomba. Nikamiambia sema tuomba hapa, j'ai de l'expérience. 90% des gens vont prier sur le passé. Bataombe ya bile bintu arishikia. Mwili, njala, ma problème. Bile bintu bikondani, ce sont les choses birisha kupita. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Et puis, lorsqu'on vous donne dans le passé, il y a le passé, le présent et le futur, n'est-ce pas? Le passé, si vous êtes lié au passé, parce que c'est ça, ça peut être dans le passé, mais le passé et puis dans le présent proche, mais origine est natoka munini mon passé. Badeni loka mi shikufanya hivi, mi shikuzale, mi abakunyowe, mi hivi na hivi, mi yeshikwende hivi, mi shikuvoyager, mi shikusome le passé. Je vais vous dire que le passé est déjà mort. Le passé c'est le passé. Ça ne reviendra plus jamais. Iko sa mai lorsque l'eau coule, inapita, aita rudia katen. C'est ainsi que Dieu lui-même s'appelle Dieu du présent. Lorsqu'on lui avait posé la question par Moïse, dis-nous, là où j'irai, batani uliza, Mungu mwenye, jina yake ni nani Mungu mwenye? Anasema, tu leur diras que je suis m'a envoyé. Je suis dans le présent. Dieu n'est pas dans le passé. Et même le futur n'est pas encore né. Mais la plupart des gens, ils ont peur du futur. Qui dit que ça ne peut pas changer aujourd'hui? Ça m'amène. Tu es encore vivant? Ça, c'est un ange qu'on a nous foutu. Le futur se prépare avec le présent. Le futur n'existe pas. Ça m'amène. Kuko batu bengi nuri mona na teso sana me unakuwa kushtuka vya na pata franga na kwa. Donc le futur pengi na taya kuiwaziak. Le futur appartient à Dieu. Non, il ne faut pas avoir peur du futur. Le futur n'existe pas encore. Est-ce qu'on s'entend? La plupart d'entre nous craignent le futur. Le futur, minona, mais c'est à quoi dire? Il mouaka. Est-ce que mitazala kami? Est-ce que batani waka? Il est une bintu bitakuyaka. Abinapo. Et tu n'as même pas la précision sur ça. Au moins, mungu akonesh. Mais tu as peur de quoi? Passé. Baba, bato tonjala. Toi, tu dois vivre le présent. C'est mais je suis dans le présent. Et la Bible nous dit que Dieu, il transcende le temps. Ça veut dire quoi? Il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le présent, il n'est pas dans le futur, il est dans le maintenant. Quelqu'un peut dire amen. Ta vie c'est maintenant, ton avoir c'est maintenant. Contrôle ton maintenant, pas le passé. Il ne faut pas que le temps te trouble. La plupart de nos prières sont liées sur le temps, le passé, le kesho, mais ça va aller comment? Non, toi tu dois vivre dans le maintenant. Quelqu'un peut dire amen. Dans le maintenant, il y a beaucoup de choses. Vous savez, lorsque Dieu parle, le maintenant, si nous regardons ça selon Dieu, prenons 2 Corinthiens chapitre 6. De Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Le verset 2, nous lisons la parole de Dieu. Mm-hmm. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Mm. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant,
le temps favorable. Voici maintenant, c'est le temps favorable. Maisha yako ni hapa sasa. Sema ni hapa sasa. Utabarikiwa hapa sasa. Le problème beba kini yako uweke kubile niko nasema. Parce que si ton mental t'embrouille, utaenda mu passé. Or le passé c'est une corde qui te iko na kukokota. Mimi niko naenda huku. Mimi sha kufika hapa. Le passé ata ulipataka franga je ni mu passé. Utaona mtu mwingine. Uko na ngarejo, unayo maisha mimi kwa kanayo. Ulikuwa kanayo ime hapa. Bata kuheshimia juu ulikuwa na maisha mzuri zamani. No. Mimi nitembea mmiotoka. Mimi changer manyumba. Mais leo uko maisha kaya. Moi je veux que ton maintenant change. C'est ma mène maintenant yako ifanye nini? I changer. On dit le temps favorable c'est maintenant. Ta santé c'est maintenant, ton argent c'est maintenant, tes enfants c'est maintenant, tout ce que tu cherches c'est maintenant. Pas le passé. Le passé déjà mort, déjà kupita. Atari kwaka mzuri, atari kwaka mubaya, c'est déjà passé. Bari nite swaka sana. Un jour j'avais assisté un pasteur qui prêchait. Asema alikuwa kwa mkubwa yake, kwa mloka yake baba yake. Donc son oncle paternel. Anafika kule. Bon, sema ule baba yake anauza nani nani samaki kama ni makorni beef kama ni nini. Anaiba kabula kabula. Lui était là banamupa kaloko hivi. Mtoto yake l'enfant de son grand frère là-bas banamupa ya munene ya mingi. Alors lui comme il était encore petit, je vais lui dire que c'est papa, angalia kakenye unanipa. Kiko saka loko par rapport ya mwenzangu, ça mfunga kinyo yako. Anaweba tena ingini tena anampatia paka ule alipatia ule. Pour que ça m'aille maintenant, niko nampatia huyu tena. Tuone kile kinyo tafanya. Ule anabakia paka na kale kaloko mkono. Mais leo hapa tuko nasema ile beni maisha yake na ule nduku yake aina atapa moya. Yuko sabu siku na jua. Mateso liteswaka haitarudiaka tena. Quelqu'un peut dire amen. Nous sommes capables de dire au passé, tu es déjà passé, ne reviens plus dans ma pensée. La Bible dit ça. Ne raisonnez plus aux choses passées. Parce que dès que vous raisonnez sur le passé, c'est que où qu'on a ta foutu fréquence, vous faites revenir ça dans votre tête. Pour que bien c'était un akutumika. Mais si tu négliges ça, aïta rudia, la machine que tu as, c'est ton mental. Dieu qu'on a kokota bito, qui doit discipliner qui tu es. Oui, ambié le passé déjà passé. Mire tes soirs que c'est déjà passé. Ata il quoi djan, oui, ambié sa ma djan, il quoi djan. Léo ni Léo. Pierre, lorsqu'il pêchait là-bas, ils ont terminé de pêcher à Bapate Kintu. Mais wakati anakuya, Yesu anabambia sema, mutupe tena makila. Donc, même dans 30 minutes, passé n'a pas qu'à passer. Je sais pas si vous me comprenez là-bas. Bon, bah, il l'opora, nous avons pêché toute la nuit. Il dit non, ça c'est déjà le passé. Beba makila, tu es ndeuku. Mais ici, c'est le maintenant. Wakati braweka makila, bari bamba samaki a djab. Est-ce qu'on s'entend très bien? Je veux que ton maintenant change. Amen. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Amen. Ton maintenant va changer. Alors à ce moment-là, wakati le maintenant n'est pas soutenu, soit il n'a coutume au futur. Et puis dans le mauvais sens, il y a quoi? Je sais pas comment t'es. On en a. Bali bote murisoma. Bali bote murite. Murizali kuaga na bali shakubawa. Pamakazi walisha kupata, mais toi tu n'as rien. Futur yako yako sombre. Futur yako ça ne promet pas. Njoo unaanza kujienkete. Ah, mi maisha yangu itakuwa kaje Mungu wangu. Tu perds le temps. Au yaku ya kule, ta vie peut changer même ce soir. Tu peux dormir pauvre, tu te réveilles riche. Tu peux dormir masindana una na bwana kesho bwana anaonekana.
Attends, Dieu peut te brancher à une grande relation et ta vie change. Mais pourquoi tu es lié au passé? Pourquoi tu es lié au futur? N'ayons futur à Ouijou. Prends les choses à main. C'est le maintenant. C'est ainsi que je vous ai dit que lorsque, en Exode 3:16, je pense. Exode 3. Exode 3, 16, nous lisons la parole. Non. 3, 13. 3, 13. Ouais. La Bible dit. Ouais. Moïse dit à Dieu. Ouais. J'irai donc vers les enfants d'Israël. J'irai vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai. Je leur dirai. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mm. Mais s'il me demande. S'il me demande. Quel est son nom? Hein. Que leur répondrai-je? T'es bien ni nani. Verset 14. Dieu dit à Moïse. Ouais. Je suis celui qui suis. Voilà. Et il ajouta. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est ainsi que tu vas leur répondre. Celui qui s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Dans le maintenant. Dieu est maintenant. Il s'appelle Je suis. Jésus disait. On lui pose la question, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis. Apa na kulota, vie yako ni leo leo. Maisha yako ni shuka ni leo. Na leo ndio mite ichange yako maisha. Peut-être vous allez dire, non, papa n'a pas exagéré. Non, je n'exagère pas. Moi, Dieu m'a donné le pouvoir de le faire. Comment il a dit, c'est marqué, il ne pleuvra pas sinon selon ma... Comment vous l'avez fait au pique? Pas comme ni à mieux pique. Ça, c'était lui qui avait dit ça. Il n'avait pas exagéré. Et même Jésus, lorsqu'il envoie les disciples, il dit, allez guérissez les malades. Mais souvent, lorsque nous voulons guérir les gens, nous voulons prier, comme il a dit, je vais vous guérir. Ah oui, on a quoi, mon? Mais c'est un droit qu'on m'a donné, non? C'est moi qui te guéris. C'est moi qui chasse les démons. Au nom de qui? De Jésus. Il m'a donné le pouvoir. Je ne peux plus commencer à dire Baba Mungu, quoi ou tout. Non! Je guéris, mais au nom de Jésus. Je t'ai béni au nom de Jésus. Je change ta vie au nom de Jésus. Ton maintenant va changer, va exceller. Au nom de qui? Mais celui qui est aux commandes, c'est moi. Si tu ne me fais pas confiance, c'est ton problème. Fais-moi confiance. J'en ai le pouvoir de te bénir. C'est ce que la Bible dit. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Alors maintenant, pour arriver à ce niveau-là, pour changer le mental, il faut connaître la vérité. Alors, je voudrais vous dire la première vérité que nous allons attaquer ce matin. Nous allons terminer d'ici là. Les dimanches prochains, 8h, batafunga barrière. Je suis mécontent. Yeye moyo anafanya sosa ana concentré ana kuwekea wewe una j'ai une fois m'avait dit ça c'est papa je suis désolé mina pika mboka mina fanya j'ai préparé mina di concentré mina je me suis investi pour préparer mina isha mina wekea bwana yangu anakuya anatonkona tu mina diona bumbafu ile moto yote mimi lungula. Na ile calcul yote mimi naanza kufanya ile sauce. Angeniambia hata kuniambia sema shita kulie. Je n'allais pas souffrir. Mais j'ai beaucoup travaillé, mais nafika anabeba tumboka, anabeba hii. Je ne suis pas content. Je ne suis pas contente, c'est une femme. Mais nasema c'est la même chose. Moi je me prépare du barbecue. Moi wako na kwa ma 8h30. Non, tant mieux aujourd'hui. Si tu ne veux pas venir à 7h30 la semaine prochaine, ou Shukui.
Parce que je sais ce que Dieu va faire dans cette église. Il y a des petites barrières. Il n'a dépendre dans l'ignorance tout qu'on aille. Or, vous connaîtrez la vérité. La vérité, vous allez franchir. Même malade, comme on a une chiquée, tout dépend de la tête ici. L'homme, il est ce qu'il pense. Et notre pensée est liée à Dieu, est liée aussi dans le surnaturel. Parce que le monde du surnaturel, c'est un monde invisible. Et lorsqu'on nous dit que regardez à ce qui est invisible, je vous ai dit que votre voix est limitée. Ce sont les organes de sens. Sont limités. Mais au katoka ou muna waza, tu peux voir qui chassa apa, mais au tok. Ata mwili banengisha mukasho, tu peux voir ta maison pendant que toi tu es là-bas. Et c'est faisable. Et tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe. Parce que tu as la parole. Et la parole, je vous ai dit que ce n'est pas. Non, ça ce sont des mots et des phrases. C'est ce que je vous ai donné le verset de Anne. On nous dit Anne parlait sans ouvrir la bouche. Tu peux parler. Et là, c'est plus fort, c'est plus puissant. Ça où tu tenda, il a touché le monde. À quelques 1000 kilomètres. Mais comme on a l'alami qui a dit ça où tu as. Il faut entrer dans le monde surnaturel. Vous êtes dans une distraction. Donc, l'église n'a pas encore atteint son niveau. L'église est commencement. Nous sommes dans une autre dispensation. Pas seulement vous, même tout le monde. Alors, je voudrais vous dire, comme je vous ai dit, que un jour en Israël, on nous dit. Si le monde, les Africains ne sont pas bénis à cause de plusieurs choses. Un, ils n'ont jamais, ils ne font pas l'alliance avec leur terre. Terre où qu'on en a oué, anashikiaka. Boulongotu. Bunashikiaka. Bunasemaka. Bunashirikaka. Oui. La terre peut être bouleversée. La terre peut se fâcher. La terre, on peut la condamner. La terre, on peut. Inaweza inakufurahiwa. Inaweza inakupatia vyakula comme inaweza inakuima abi. Ah, vous ne comprenez pas ça? Je vais vous dire. Même si vous êtes en train de réfléchir, ça il papa n'ante quand tu bide à tu bishiki, tu ngani kuambia ubishiki. Nous pouvons prendre Genèse chapitre 4 verset 11. Genèse. Tunanze bintu bya nguvu nguvu eh? Tutasema blongo. Tout à fait, ma maille, ni ma fréquence, ni ma fréquence. Tout à fait, ma franga. Donc, quand toi tu parles ici, tu dois entrer en contact avec cette fréquence-là. Tu vas dire et la chose va arriver. Tu vas ordonner et la chose va exister. Genèse 4, le verset 11, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Mungu ananishikia mzuri. Mungu akona mwambia nani? Caïn. Sem a passas. Parce que Dieu c'est un Dieu de maintenant. A passas tu seras maudit de la terre. Il est blongo ilichika ifungule kinywa yake. Imeze nani damu ya nduku yake. Continue. Il ne te retrouve plus. C'était 11, 12. Quand tu cultiveras le sol, wakati utalima we mashamba, il ne te donnera plus sa richesse. Bulongo itakupatia tena kintu. Tu seras errant. Acha. Quand tu vas cultiver, parce que maintenant la terre, donc toi tu es maudit de la terre, Dieu a nini, Dieu yo bulongo ilichika ibebe nini, damu ya nduku yake. Alors ile bulongo ata unyirima itakupatia na byakula. Il est qu'on a réagi on va y aller ni blongo nini. Bana yambia sema ushimupe. Ata unalima byako batebikure koko banani bilulu. Pengine unalima tote tunarabika parce que tu n'es pas en alliance. Amusikizana na blongo juu ulipatia damu ya nduku yako.
Est-ce qu'on s'entend très bien? Est-ce que vous me suivez bien vraiment? Nous tous, nous vivons de la terre. Si la terre est rebelle contre toi, parce que la terre, où qu'on est bon, c'est ce que je vous ai dit au départ. Non, la terre est impersonnelle, la terre n'a pas de personnalité, la terre ne peut pas réfléchir. Non, dans les enseignements du surnaturel, nous communiquons avec toutes choses, selon la Bible. Je veux t'apprendre à communiquer avec tout. Et surtout, avant de donner, parce que nous voulons, nous allons faire une prière d'autorité. Vous savez, même la guerre, ceux qui font l'école de guerre et tout ça, tout ça. On a peine de combattre en adui. Il n'a pas été évalué. Ni qu'on a un goût, il y a un combat. C'est comme, par exemple, l'ennemi a une arme. Oui, on a peine de combattre en adui. Tu dois aussi évaluer ma arme. Est-ce que ma arme est en adui? Je vais vous dire que les émissaires qui étudient, qui ont un modèle, tu as combattu. Quand on a un cas où tu as combattu, cherchez seulement Moussigilizan. D'où tu seras humilié. Toi, spirituellement, tu n'es pas fort. Tu n'es pas dans la prière. Tu n'es pas dans le jeûne. Tu ne connais pas le surnaturel. Maintenant, nous allons prendre l'autorité. Tu t'as mis à Boulongo. Ou tu as mis au pouvoir, Kani. Toi, ce que tu peux faire, c'est chercher à entrer, être en bonne relation avec la terre. Ça m'amène. Si tu n'es pas capable, si tu n'as pas de pouvoir, Jésus avait le pouvoir. Il a dit alors, tais-toi au vent, calme-toi. Parce qu'il avait le pouvoir. Mais si toi, tu sais que tu n'en as pas, cherche une alliance avec l'eau. Cherche l'alliance avec l'argent. Dans la Bible, on nous dit, vous avez déjà lu ça, non? On a traité alliance. On a traité l'alliance. Mais ils ont déjà traité l'alliance. Alors là, on nous dit la terre, terre, oui, Caïen, ata unari magie, ata unawe kama engrain, boulongo abuta coupa. C'est comme nos amis ici, beko na chimbula ma or, kuchimbula ma diamant, kuchimbula ma cuivre, abapate, boulongo mwenye kushirik, la terre ne donne pas. Pourquoi? Parce que nous qu'on a oua. Kouwa na bisu, kouwa na kinywa, kombani shabantu. Mais la terre va se rebeller. Vous resterez toujours pauvres. Ne tuez pas. Ne versez pas le sang. Parce que si la terre prend le sang, la terre devient rebelle. Je ne sais pas si vous me suivez. Itakukataria kaenze katakuwa kana wina wewe unabakiria paka kinyo tu parce que bulongo abukuichike uriwa mwenzako uriwa votre frère. Mungu anasema la terre là ile ilikunywa mimi na kumodile de la terre parce que yo rimeza na aita kupatia tena kintu. Bangapi bana chimbula manjimu ya makuivre nini beko paka ba maskini tu mbula zero. Eko paka mouleti ata pataka. Kuma diamant n'en parlons même pas. Kuma or n'en parlons même pas. Mais lorsque les petits indiens viennent dans banane, banatumik, boa banana na problème. D'abord, mwangari bantu banene banane, même dans les temps anciens, quand quelqu'un vient, même à ta pape, à ta banane, il y a le monde du Sunita, il y a ma modèle, il y a ma lawa nina nina. Quand il arrive quelque part, la première chose, il se prosterne, il prend l'alliance avec la terre. Il prend possession de la terre. Même dans la Bible, on dit à un serviteur de Dieu, bébé maï, ou bébé poussière, ou bébé boulongo, ou bébé maï, parle. La terre, maï, moi j'étais un jour à Kalemi. Bunakucha paka hivi mtu anamisa, leo Tanganyika ni mwenye kushirika. Sema komase, ville, leo kutakuwa matari.
Ils savent. Parce que c'est ma ni tourbillon ni ni ma tempête. Tu m'as battu toi, tu m'as comme tu n'as la ville, il est banette comme un zoruba. Banatok. Il faut Jésus pour calmer ça. Donc même ma il a tombé kaka. Ah, on est chiqué. Il a tombé kaka. La Bible dit que mwisho Mungu atasema ma il est à baloroua. Donc, lorsqu'on vous amène dans une autre dimension, ah, est-ce qu'il y a un monde mystique? Mindjong Mirianjika. C'est écrit dans votre Bible, non? Est-ce que tu sais que. Lis même Psaume 46, verset 2. Psaume 46, verset couplet 2. Le verset 2, nous lisons la parole de Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Attends, remonte un peu ou bien va un verset avant, parce que ça dépend des versions. Tu es en psaume 46, oui. Hein? Oui, oui. Attends. Ça dépend de la version. 46. Verset 3, descend, laisse 2 descendre au 3e. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée. Même si la terre est bouleversée, à taille, il n'a dit embrouillé. Nous devons être sans. On dit la terre est bouleversée. Donc la terre peut être bouleversée. Et il que, est, hein? Et oui. Que le montagne chancelle au cœur de mer. Jusque là, ça va. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome 32? Deutéronome 32. Quand je te donne un verset, tu trouves que ce n'est pas cela, tu descends le verset qui vient. Oui, ça dépend des versions. Prends le verset premier. La Bible dit, cieux, prêtez l'oreille. Mbingu fungula dishikio. Il t'a fungula dishikio comme aina nayo. Continue. Et je parlerai. Terre. Écoute le parole de ma bouche. Nawe bulongo fanya nini? Shiki. Est-ce que bulongo bunashikia ka bushikia? Mungu ndio anasema. Wewe kama uko napenda ile religion ya terre à terre. Uniombea baba. Je te dis ça, c'est déjà dépassé. Nous sommes dans le monde du surnaturel. Maintenant, c'est l'Esprit qui doit vous dire ce que vous devez faire. Jésus avait dit, tout est possible. Il a dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Attendez le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il va vous dire de grandes choses. Nous sommes dans la profondeur des choses. Quelqu'un peut dire amen? Dites amen à haute voix. Nous sommes, on dit, toi la terre, écoute les paroles de ma bouche. Qu'on aime bien Boulongo. Vous savez, toi, tu vas chez toi, tu vas chez toi. Même les sorciers, même les gens de ce monde, ils peine de bénir comme ni mutoto wa nini, utaona banenda na bulongo, banaanza kuambia bulongo. Mais toi tu as le pouvoir plus que ça. Parce que tout ce qui a été créé est sous tes pieds. Mais il y a des moments que tu peux parler avec la terre, il y a des moments que tu peux parler avec le ciel, il y a des moments que tu peux parler avec le jour. C'est ma main. Tu te réveilles un matin, tu dis aujourd'hui c'est quel jour? Dimanche. Tu t'adresses au dimanche. Si le dimanche a eu un nom, c'est qu'il y a une personnalité. Comme qui tu qu'on a dit tout, c'est que qui n'a pas été couché. C'est à ce moment-là tu parles. Il y a deux façons de parler. Soit tu collabores. On a sikilizana na shiku. Il n'a quoi rafiki yako. Si tu sens que spirituellement tu es fort, tu donnes des instructions à la journée. Est-ce qu'on s'entend? Alors maintenant, c'est à ce moment-là. Là, j'ai dit que tu es dans le maintenant. Tu n'es pas dans le passé, tu n'es pas dans le futur. Tu n'as pas le mouzoud. Tu es dans le maintenant. C'est aujourd'hui. C'est maintenant le temps favorable. Ni Léo. Alors, je voudrais te dire, parce que tu comprends maintenant que le temps.
Est-ce que tu peux encore prendre Deutéronome 31, verset 28? Deutéronome 31, le verset 38. Nous lisons la parole de Dieu. Mmh. Verset combien? 28. Oui. Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence. Mmh. Et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Voilà. Ulitie ba le bantu yote bekala apa te bambi mbi te bambi. Mais je veux prendre témoin nani boulon. Même aujourd'hui, Boulong est à quoi témoin à Paneko Nakobarik. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Il n'y a rien de sorcellerie là-dedans. Amouna Boulong Jata Obo Boumoy. Boulong est à quoi témoin. Yakusema Chikou Fulani, tu as été béni. Quelqu'un peut dire amen. Dieu dit, je prends comme témoin la terre. Mais appelle-moi ces gens-là qui viennent. Ils vont entendre ce que je vais dire. Témoin à ta croix Boulong. Je voudrais te dire, dans les enseignements du surnaturel, qu'il y a des fréquences avec les mondes invisibles. Mais tu dois savoir comment communiquer avec ces mondes-là. Ouyou et namuna kanya kusumuzana, il est monde de l'invisible. Quand mon tout est collé quelque part, et qu'on a pensé Mubaya na weye, et que Dieu te révèle, ne cherche pas m'invite à boule boule. Parle avec son esprit. Ça m'amène. Jésus, il savait lire la pensée des gens. Anasema mina yu akile moko na waza, bile moko na waza bina ville, parce que vous avez des pensées comme ça dans votre tête. Et Jésus dit que vous êtes capable de connaître ces choses. Tu es capable de connaître je te dis la vérité. Le problème c'est la distraction. Tu n'es pas concentré. Tu n'es pas tu ne médites pas. Tu n'es esprit à quoi qu'on a vacabondé trop. Aïka le pas moya. Ikona kokota kokota bia ouku bia ouku bia ouku. Donc iko sa machine qu'on a tout mis en désordre. Abe ipaka le nani graisse. Il t'a bloqué. Tu dois entretenir ta pensée avec les paroles du Saint-Esprit. Tu dois orienter tes paroles, tu dois orienter ta pensée. Unayua, si nous parlons de quelqu'un, un riche, je vous ai dit tout au départ, un riche, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans la poche. Un riche, c'est celui qui a la richesse dans la tête. À celui qui a, on donnera. Alors là, ce sont les enseignements du surnaturel. Tu es dans la fréquence de l'argent. Si tu es dans la fréquence de l'argent, l'argent te sera soumis. Alors tu dois te comporter comme quelqu'un qui a vraiment l'argent. Mais oui. Même si mon proche a un anaï, comporte-toi comme quelqu'un qui est riche. Langage, tu ne peux plus parler de ça. Même si tu n'en as pas dans la poche, tu y es toujours béni. Alors la plupart des chrétiens, qu'est-ce que nous voyons? Vous allez voir les chrétiens, mais je suis riche. Ce qu'il dit et ce qu'il fait, diamétralement opposé. Tu n'as jamais passé maintenant, par exemple, tu connais l'état ma offrande. Ou toi, na muntu, il a l'argent dans la poche. Et qu'on a ma dollar, et qu'on a ni ma tengi, et moule, il bilo le bi qu'on a match. On a pas ta 500. On a eu son imi na bambanjo 500. On a toche, on a quoi couteau. Bon, est-ce qu'il est vraiment riche? Non. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Il est bien, tu as vu kuvunja. Parce que ton esprit, il connaît quoi comme prison. Il connaît quoi. Quand tu fais ça, il y a un message que ta pensée te donne. Toi, tu n'es pas ton mental. Toi, tu es toi. Toi, tu n'es pas la maladie. Toi, tu es toi.
maladie ni kintuingi, ce sont des entités différentes. Mille ni comille, je ne suis pas ce que parce que mental est encore qu'on a ramassé n'importe quoi. Quand même, il n'a pas foi, tu es qui tu es qu'on a mis, je vais m'embrouiller. Il t'a quoi, tu es bien, tu es quoi, flan a dit que tu es quoi, donc tu n'as pas été ouais comme mon nini. Du coup, quand toi, Anna, mon moussimamo, le matin, il est autre comme un garibé comme un guin. Dieu a dans la tête, il n'y a pas de l'ordre. Alors maintenant, si tu maîtrises ton mental, ton esprit, on a quoi, patron esprit yako, à ce moment-là, tu vis comme tu veux. Daniel, donne-moi le temps, je viens te donner l'explication. C'est qu'il était sûr que Mungu t'a parti. Cette femme-là, ou la wadam, et qu'on a quoi, anasem, kama mina mubamba tu mango, mina fwa nene, mina kwa. Donc il est parti de là, il sort en vainqueur pour aller vaincre. Balé qu'on a chimbula ma or, ma diamant, ma cuivre, manine. Kama il message na kufikia. Kama ushike mzuri, viens me voir, je vais te montrer. Kama unanishikia, fais l'alliance avec la terre. Pana kutafuta ba mfumu bana kwa pale, lui-même déjà Boulongo iko contre lui, Dieu a richa kuwa. Ataku fanya nini? Ce sont des choses inutiles. Mais la Bible nous dit qu'on peut parler avec la terre. Par quelqu'un qui en a le droit de parler. Mais tu dois comprendre que non, je veux collaborer na Boulongo. Wakati Yesu, ils n'ont pas eu de poisson. Mais il dit la chose arrive. Il ordonne la chose existe. Il est Samaki, comme je vous ai dit, que le miracle, si vous comprenez le miracle, donc ce n'est plus un miracle. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Lorsque Jésus dit, Moustofouèche filé pâle, Manayak, cet ordre-là, crée le poisson. C'est comme une fois, Tamzouri. Il dit, la chose arrive. Il ordonne, la chose existe. Comme tu dis que toutes choses, tout ce que nous cherchons existe. Attaque quoi que c'est dans la providence de Dieu. Comme Mungu anaweza créer quelque tout. C'est ma mère. Mungu anaweza kubeba mtu ekombari anakuwa kuko. Kama ndio ile ma critère qu'on a eu. Ana mutosha tout. Anakuwa. Parce qu'il existe par la parole de qui? De Dieu. Comme kuko bitu bingini kama ni franc, apakue kintu me Mungu peut créer l'argent là-bas. Il appelle à l'existence. Apakue samaki Jésus dit mubambe samaki, il n'a toka ne déformé. Même il y a ma cuivre na manine, tu viens là il n'y a rien. Mais si un homme puissant arrive, anasema apa mchimbule mutachimbule. Ya fwasi yote itakuwa pale. Mais comme tu travailles ça, tu n'es même pas convaincu de ce qui va se passer. Tu ne sais même pas. Moi, je vous avais dit, c'est un témoignage que j'ai toujours donné. Je ne savais même pas ni tamiser ni faire quoi. Je suis allé là-bas, mais j'étais serviteur de Dieu. Je devais tenir une croisade. C'était une croisade entre guillemets. Dans ma case d'évangélisation. Mais comme je devais aller là-bas, ni katafute franga, je suis arrivé. J'ai trouvé un puits abandonné. Mungu kona nishikie, Bible yoi. Ce puits-là était abandonné parce qu'il n'y avait rien. L'esprit m'a dit ingi apakaumu. Mine ingi. Bantu benye kuyara pale. Donc, kama ingi mushimu ya benye be kona tumika mbata kubamba. Parce qu'il y a les gens qui ont creusé leur puits. Mais si c'est un puits abandonné, c'est déjà abandonné. Papa n'a bantu. Mina beba mouchanga, j'ai mis dans les tamis. Mina foua un paka eviti. Outon se dit, bouboune neiv. Y'a diamant. Tout le monde a crié. Boulozi! Bakouza, ben quoi, koufouye, falo kouyouze. Et depuis ce jour-là, donc l'argent, quand mina peine, mouga ni pe franga tani patou. Je sais comment je peux avoir l'argent. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Ça, c'est moi.
Je crois que tu peux entrer en contact na bulongo na bulongo inakusaidi. Na bulongo inakupatia bile byake konabi. Parce que bulongo ndio kona ile mari. Ni yake. Ou tu ordonnes si tu es fort ou tu collabores. Il n'y a que des choses. Si tu collabores, mais comme on a eu sans bulongo ishikiyake, tu n'es pas convaincu de ses enseignements, mais tu veux devenir milliardaire comment? Nous avons déjà prié pour vous pour que vous soyez des millionnaires. C'est sûr. Maintenant, il faut passer à l'action. Tu vois ce qu'ils ont? Et dans cette action, il faut savoir que faire. Ni foi ni Dieu. Je peux parler avec l'invisible. Parce que Franco, on a ta foutu à Inapa. Il est dans l'invisible. Ça m'amène. Ayonakane. Il n'a pas ce wiyite. Alors, tu dois savoir, j'ai fait quoi? La plupart, la Bible nous dit. Nous n'avons pas combattre contre la chair et le sang. Mais nous combattons contre les dominations. Contre des choses invisibles. A tout combattre dans le monde, dans le bantu. Oh, tous les sikos, ce qui n'est pas, ce qui démon. Allez, prenez le fouet. Chop! Mouko na chèza. Ou le moins, on a un démon qui a fait un film. Mais ma église a mis ça. Qu'est-ce que tu as fait pour un film? Tu t'as piqué ma démon, hop, tu t'as piqué un film qui est en mouboule. Film boyako, il toque moukinyo. C'est l'épée qui est dans la bouche. Et tu dois savoir comment orienter cette prière là-bas. Si tu peux appeler l'argent, tu peux appeler parce qu'il dit la chose arrive. Il ordonne la chose, c'est créé. Ça m'amène. Parce que mon ami Shikamzuri, je parlais de la terre. Je veux parler comment tu peux parler quoi qui tu n'y Boulong on est qui tu n'y a pas, mais impersonnel comme on dit. A ta maï. Comme on a peine de maï, il coupe bien mon maï. Il y a un coup de maï. Tu sais comment tu connais ce qu'il y a. Ou même quand il y a un coup de maï, il y a un coup de maï. Ou à mesure que je peux intimer l'ordre. Que maï, na maï, na vomir. Il y a un coup. Il n'y a que deux choses. Soit on collabore, soit on intime l'ordre. Alors, baleba pagano, on a utilisé méthode de collaboration. Baleba mufumu, banini banani. Batabeba mbuzi, banabeba bankuku, banenda nayo kama ni pamulima kama ni nini. Bananza kusungumuza na bulongo. Natuanga magoti. We bulongo, we bankambo bari kufuaka, ceci. Ils ont le système de collaboration. Comme c'est un principe, Dieu Mungu ariumba bulongo na mashikio. Aina kusema samba na amini. Non, ce sont des païens, ataba na kufa tenda moto. Mais ils savent des principes, comme je vous avais dit, que wakati mwanaume na mwanamke banapatana, bakwe banduku, bakwe bajimu, bakwe nini. Le principe est que mwanaume na mwanamke bakapatana, batafua nini, batazana. Hapana kusema oh Mungu alisha kukana anamupatia huyu dada mwiki wele wele mtoto. No, ce n'est pas ça. Comme bulongo iko nashikia, hata mupagano akashumbulia nayo musansi yaka mupagano itashika pa kushikia. C'est pas si vous me suivez très bien. Parce qu'à ce moment là baloji bale bandamu mapori bale beko baloji mukati yenu kama beko hamo shiju bile niko nasema bo beko nanishika mzuri sana. Comme vous ringez par accident, mais minéraux, c'est moutamini tout. Donc, bah, moufoumou, bah, ringez, maman, bah, moufoumou, bien, nous connaissons, bah, n'ayons, ça, mais c'est la vérité. Bah, tenda, pas maï, bah, n'ekada, pas maï, bah, n'a son mousana maï. Bah, tenda, bah, miki, n'ingini, bah, n'enda, bah, n'enda, oh, il m'a chuku, sa mère, kaïkoufou, il m'a chuku, bah, n'yama, bah, n'akan, bah, n'enda, bah, sultan, anend, oh, il m'a chuku, ma, diamai, tok, bah, n'enda, bah, sultan. Anakuwe, anasa, mulete ba, mbuji mulete vi, anasumuza na bulongo. Kesho bananja kupata, se metode de collaboration, mais mon monde est à ténèbres. Est-ce qu'on s'entend très bien? Et ça, toi tu peux utiliser ça aussi en étant chrétien. A où t'es mobile? Toi tu vas collaborer par l'esprit. Mais tu dois savoir que bulongo na shikiak. Ça tu dois comprendre. Tu dois comprendre que monde, son esprit, on a wese qui connecté avec l'esprit yako. Tu sais que je peux parler avec l'argent. Dieu dit, j'ordonne à la bénédiction de faire quoi? De te suivre. Il connaît ce qu'il y a.
Mais mets en ordre ta tête. Ou ce que tu penses, ce que tu es. Je disais wakati on a peine d'akutoa kama ni maofrande kama ni madimi kama ni nini. Ne te comporte pas comme un païen. Il y a des gens qui ont donné l'argent, tout ce qu'ils avaient. Yesu akukatali. Ils savaient que non, huyu mtu pour qu'il gagne, il faut qu'il se comporte comme ça. Je vous avais dit pas le tunenda kubondo. Nous on avait notre avion. Tu n'as quoi un avion hier, tu m'as un avion tout qu'on a choukana. Il connaît kala pale pale. Et j'étais associé, un associé fictif, comme on a dit là, dans cet avion. Et Christian Sen, Norvège. Il m'a parlé parce qu'en ce temps-là, mon étranger a oué quoi la société, au moins, bah oué que Congolais, pas Kichu. Et moi, j'étais là le patron de cet avion. Tout le monde a eu. Mais, pas quoi, il y a eu un moment où les nani, où les papa, moi, la Bibia, qui m'a dit quoi, il y a 50 francs. Et 50 Zahir, il y a Zamani, il y a rouge. C'est tout le temps de Mobutu. Mon ami, il y a un temps de Zamba. Nous, on avait l'argent. Tout qu'on avait, on avait un avion. Mais où le papa, a quoi, on a 50 francs et qu'on est au Tukaboul. Bro, yango, mouro, il y a un mapana. Si on a un mapatia, oui, baba, oui, tu patias 50. Dieu me dit sur place, prends cet argent. Comme oui, bébé, on a un franchi, bibaya san. J'étais obligé à couper baï. Et je suis sûr qu'elle quoi bénir après. Donc toi, si tu veux te comporter comme un pauvre, c'est ça. C'est parce que c'est toi qui vis comme un pauvre. Donc tu te mets dans ta tête, tu es pauvre. Il est quand il saigne, il connaît ma franga, mais tu franga, mais ta toche, mais ma skin. Alors tu es pauvre. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on fera quoi? Comme on a peine de couteau, toi, comme un riche. Parce que tu es riche. L'argent n'est pas ce que vous voyez. Nous sommes dans un monde du surnaturel. Où le frère a dit que c'est un crabe. Il a dit que c'est un crabe. Il a dit que c'est un crabe. Il a pris 30 minutes. Il a demandé qu'il n'y a pas de crabe. Il a baigné, il a coupé. La facture a donné 5 000 $. Il est venu me faire voir ça ici. Papa n'a pas dit 5 000 $. Tout simplement, il s'est comporté comme un riche. Quelqu'un peut dire amen. Comporte-toi comme un riche. Il n'y a pas de barrière. Mais quand on a pima, Dieu voit ta détermination. Si tu es riche, tu es riche. Si tu es pauvre, tu es pauvre. Un riche va se comporter comme un riche. À Tangaria, il va donner à Naïwa. On attend que toi, qu'est-ce que Munga na kupati? Munga na fungula milango. Mais toi, tu es là, dis-moi où le tac. Comme Nicolette, c'est par accident. Je vous avais dit que Wakati Aulete, tous les premiers nés appartiennent à qui? À Dieu. Bana kwambia leta mubuzuri, kama ulete mubuzuri yeye moya tabeba. Il va prendre d'une manière comme d'une autre. Le frère que je vous avais expliqué ici, Ranza Kukala Pali. Angare mukanisa na leo. Alikuwa kana dime ya $150. Il venait anakuya kama ni munjia problemi kani banamwambi anarudia mbio anaenda kuipitisha kwa ile problem sasa unaona ni Mungu atanisaidia tu taleta hata mwezi mwingine bon après kuleta ile 150 ya dim bunakucha problem watu wa inarabika analipa $150 unapita kama ni nini chauffeur alifanya banambamba $150 alors il a compris pourquoi atana discuter je bei ni paka 150 atana lukula. Je vais aller à l'hôpital. Je vais demander 200, 300. Non, ni qu'on a 50, ni qu'on a 100. Comment on a 120? Moi, je suis quand même 150. Ah! Comment il est 150? Mais il ne dit pas combien de fois. En quoi il est chou, papa? Il a une explication. Mais ni qu'on a mambo. Ma dépense, ce n'est pas qu'à 150. Donc, je vais comprendre. Il est 150. Mais il est bébé. Mon gars, il a couru. Il a pita bouink. Yo, il est là. C'est la taille. Il a bébé. Hémorragie à 150 fois nini. Il est chemin. Kuko mungine apeko na lipaka pa kulipa. Au chez bitu bana mwiba. Auyu, pourquoi tu n'es pas fidèle? Tu es pauvre. Vis comme un riche. Ça m'amène. Celui qui libère la main, il est beaucoup béni. Celui qui retient à l'excès. Pa kuleta ni mambo, pa kutoa ni mambo. Mais tu vis comment?
Tu dois être branché au monde surnaturel. On nous dit, affectionnez-vous aux choses. Ah, heureusement, vous connaissez le verset. Quand on dit affectionnez-vous aux choses, c'est que ukamatane na bile bya shokona kana. Comme les choses qui sont au ciel, la paix, la joie, l'argent, ça c'est dans le monde du surnaturel. Affectionnez-vous anze kuaza kubile. Vivez le monde du surnaturel sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je sens quelque chose en moi.